Qu'est-ce que l'ostinato? L'ostinato est un élément musical répété. Il peut être de nature mélodique, comme dans cet exemple joué par le violoncelle et le clavecin. La mélodie en vers est répétée continuellement. L'ostinato peut être rythmique, comme dans cet exemple, écoutez la caisse claire. Il s'agit d'un ostinato rythmique. L'ostinato peut aussi être harmonique. Écoutons cette séquence. Ces quelques accords sont la base du morceau nommé Hey Joe de Jimi Hendrix et sont répétés tout au long de l'œuvre. Écoutons l'œuvre de Jimmy. Attention, c'est ici. L'ostinato est fondamental dans l'œuvre musicale. Prenons un exemple. Voici l'ostinato en vers joué au synthé. Si maintenant j'enlève l'ostinato, que devient l'œuvre? Il lui manque l'ostinato, l'élément fondamental de l'œuvre. La fonction de l'ostinato est la plupart du temps d'accompagner les autres parties. Reprenons le premier exemple, où nous voyons que la mélodie jouée au violoncelle est répétée continuellement pour accompagner les autres instruments. Je retiens que l'ostinato est un élément musical répété, qu'il est fondamental dans l'œuvre, et que sa fonction est souvent d'accompagner les autres parties. À bientôt !